Salut à tous, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons pour un petit PVP 1 contre 1 qui opposera le Zobal 200 Pennywise de Aguabrial contre l'Osamoda 200 de Bolgrot Ronketo. Donc nous sommes sur le serveur tournoi du Ghoul Terminator, donc que vous pouvez le voir actuellement. Et c'est un petit 1 contre 1 que je me suis dit qu'il y a pas mal de personnes qui me demandaient de faire du PVP, enfin de filmer du PVP 1 contre 1. Donc je me suis dit que comme c'est des bons joueurs, que des bons joueurs sur le serveur du Ghoultab, et que ça pourrait vous intéresser de voir ce genre de combat. Donc je vous montre aussi à l'écran, vous pouvez voir en dessous les stats des deux personnages. Donc l'Ossa a vraiment des belles résistances, elle a presque 20, minimum 25% partout sauf 15% en neutre. Et elle a un stuff 11 PA 5 PM de base. Tandis que le Zobal, lui, il joue en 12-5. Mais les résistances, c'est autre chose, quoi. C'est pas trop ça, quoi, on va dire. Et malheureusement, je sais pas, il joue si c'est des remplaçants, si c'est des joueurs fixes. Enfin, des joueurs d'équipe entre guillemets A. Ça je sais pas vous le dire, mais s'ils sont, enfin s'ils ont accès au serveur, c'est qu'ils sont soit des bons joueurs, soit des très bons joueurs. Donc l'Ossa qui spanne vraiment ses invoques pour bloquer le Zobal un maximum. Et le Zobal qui s'est déjà fait massacrer ses boucliers, qui se prend des gros coups de la part du crackler ennemi. Et il se rapproche de l'Ossa en faisant des bolish pour pouvoir s'écarter du paquet, enfin des invoques, et pouvoir isoler l'Ossamodas où il a envie. Donc, je vais bouger la timeline pour que vous puissiez voir l'action de l'Ossa. Donc elle fait une maîtrise de baston au coup critique. Et elle fait deux coups de grésiloceps dont un coup critique. Et un déplacement de félin sur le crackler qui lui donne un total de 9 PM. Alors ben, les invoques se rapprochent tout doucement, donc je sais pas comment le Zobal va gérer ça. Il fait un masque de classe, il fait un appo pour rapprocher le crackler, mais je sais pas ce qu'il va faire. Un martello sur l'Ossa pour reprendre un petit peu de vie. Et il lui reste 2 PA et il fait une flamiche pour terminer. Donc j'ai pas trop compris ce qu'il a fait pendant ce tour-ci. Donc là, l'Ossa risque de spam cac comme le tour avant. Et plus les invoques qui vont taper juste derrière, bah, ça va faire très mal. Oh, un coup critique du Grésiloceps à moins 502. Pas mal. Et un croc du mulot critique sur le dragonnet et le Bourkmash, ainsi qu'un cri de l'ours coup critique. Alors, le Zobal qui prend très cher. Il se retrouve avec plus que 914 points de vie. Donc c'est pas énorme. Il fait un plastron à 813, donc ça c'est franchement pas mal. Il se rattrape comme il peut. Et maintenant, à mon avis, l'Ossa va la terminer. Va le terminer, pardon. Donc vous pouvez voir qu'ils sont tous les deux avec le familier Peki, donc qui normalement, s'ils sont montés au maximum, leur rajoute 400 points de vie. Donc c'est mieux qu'une Dragonnet Emerald Rousse. Même si à choisir, je préférais avoir une Emerald Rousse, sachant qu'ils sont pas 12-6 tous les deux. Donc par contre là, je sais pas ce qu'elle a fait à mon avis, c'est pour foutre un peu de sa gueule qu'elle l'a pas tué directement. Elle laisse les invoques exploser le plastron et voilà. Son plastron est presque fini, il reste plus que 200 points de vie. Il fait un masque du psychopathe, à mon avis, il va lui faire un coup de... Ah ouais, je pensais qu'il allait faire d'abord deux furia et puis après taper au tour après. Et il fait un appui à 300 sans avoir fait de furia, donc il tape, à mon avis, il a pas mal de dommages fixes. Il doit avoir dans les 70-80. Parce que vu les résidus de l'Ossa en face, ben, c'est assez énorme. Elle booste ses invoques.
Et elle tape au grésil au sceptre. Par contre, j'ai pas compris le. Ah, elle a fait un crapaud sur son. Sur son crackler. Et voilà la mort de. Je vais y arriver, du Zobal. Donc, victoire en 5 minutes 23 de Ronketo. Elle a presque rien subi, donc c'était assez énorme comme. Comme humiliation, donc félicitations à toi. Moi je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ma façon de commenter pour le Ghoul Terminator vous a plu. Et si vous avez envie de voir plus de vidéos de 1 contre 1 de personnes de bons joueurs, on va dire, mettez-le moi dans les commentaires et j'essaierai de faire en sorte de filmer et de vous proposer plus de vidéos comme celle-ci. Allez, salut à tous!